Affaire Mila, 11 de ces cyberharceleurs ont été condamnés à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis. Et on en parle ce matin avec Laetitia Avia, députée La République En Marche de Paris et porte-parole d'En Marche. Bonjour. Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. Le tribunal correctionnel a rendu hier son jugement, donc 11 personnes ont été condamnées à des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis pour cyberharcèlement. Est-ce que pour vous, les peines sont suffisantes ? Écoutez, je suis députée, donc il ne m'appartient pas de qualifier des décisions de justice. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les peines existent. C'est qu'on passe vraiment à un tournant dans la lutte contre le cyberharcèlement, où la règle était l'impunité. Aujourd'hui, des sanctions ont été prononcées. Alors certes, Mila a été la victime de dizaines de milliers de messages haineux et de menaces de mort, et tous ne sont pas condamnés aujourd'hui. Mais c'est la même chose pour tout délit. Ce qu'il est important, c'est qu'aujourd'hui, chacun sache que si jamais il s'adonne à ce genre de pratique illégale, eh bien oui, il peut passer devant le juge, oui, il peut être condamné. Alors, une indemnisation de 1 000 de près de 30 000 euros de mémoire, et aussi une peine de prison avec sursis. Alors, c'est un sursis, mais un sursis, c'est 5 ans avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour vous, à partir de quel moment le cyberharcèlement est caractérisé ? Alors, il y a plusieurs éléments, de la même manière en fait que le harcèlement tout court est caractérisé dès lors qu'il y a une atteinte grave ou dès lors qu'il s'agit de ce qu'on appelle un raid numérique que nous avons qualifié dans le cadre de la loi dite Schiappa. C'est-à-dire que normalement, pour le harcèlement, on peut avoir soit un fait grave, soit un fait répété. Et nous, on a ajouté le fait que plusieurs personnes, ensemble, concourent à un fait répété et grave en envoyant chacune un seul message, mais en sachant pertinemment l'effet délétère que cela peut avoir auprès d'une personne. Donc nous avons complété un maximum l'arsenal législatif pour mettre fin à l'impunité, pour que des sanctions soient prononcées. Nous avons ensuite créé un parquet numérique qui a permis de pouvoir identifier ces personnes et les poursuivre, et donc pouvoir prononcer ces sanctions. Alors justement, est-ce que selon vous, Mila est devenue le symbole de la fin de l'impunité pour la haine en ligne, Laetitia Avia ? Je le pense et je m'en réjouis. Mila est devenue un peu, malgré elle, le symbole de la liberté d'expression. Et là, elle est devenue volontairement, par son action, par son refus de renoncement, le symbole de la fin de l'impunité. Et je m'en réjouis pour elle. Que pensez-vous de la politique menée par les plateformes de réseaux sociaux, justement, dans ce domaine sur la haine en ligne ? Je pense en particulier à Twitter, qui est quand même le réseau social sur lequel les propos sont les plus violents. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, aucune plateforme ne peut se féliciter de sa politique de modération. Et hier ou avant-hier, d'ailleurs, une décision de justice était rendue à l'encontre de Twitter qui va devoir communiquer ses moyens de modération. Puisqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que je travaille sur le sujet. Je suis incapable de vous dire combien il y a de modérateurs, où ils sont, comment ils fonctionnent, quels sont les objectifs qui leur sont donnés. Et d'autres plateformes nous donnent quelques éléments, mais on n'a pas grand-chose en réalité pour évaluer leur véritable investissement en matière de modération. Alors, il y a eu cette décision qui a été rendue à la suite d'une action des associations, dont l'UEJF, SOS Racisme. Et puis, il y a ce qu'on a porté à l'Assemblée. On est à la suite de ma première proposition de loi. Nous avons redéposé un texte dans le cadre du projet de loi Principes Républicains. Et d'ici cet été, il sera voté définitivement en vigueur. Et il obligera les plateformes à mettre les moyens nécessaires pour protéger leurs utilisateurs. Merci beaucoup Laetitia Avia. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de Paris.